Break. Ouais, les 73-51, les stations fréquences de la part de Dundee 33. Et c'est parti pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Et 73-51 retourné. Ce soir, là, j'ai un peu plus de QRM. J'ai entre 1 et 2 de QRM. Donc là, j'ai du mal à te sortir, hein, de mon côté. Hein. Ouais, les 73 Angèle, ben pareil, hein, je t'écoute. Là, je t'entends parler là sur la station, d'accord. Mais bon, vu que ce soir j'ai un ou deux de QRM, c'est un petit peu short. Et du coup, ben, je t'écoute surtout via le WebSDR. Oui, le signal a monté de mon côté. Hein. Donc là, c'est bon, ça c'est bon signe. Par contre, là, toi, là, autant hier soir, j'avais que dalle de QRM, autant ce soir, ben, j'en ai un petit peu, là, et que ça gâche un petit peu, c'est dommage. Bon, j'espère qu'il y aura autant de monde qu'hier soir, parce que c'est vrai que c'était pas mal sympa, quoi. Chie trois coups. Oui, le break. Ok, Florian, les 213-51, toi, de la part de Dundee 33, 14 km, 3301 QTH Sainte-Colombe. Entre Saint-Émilion, Castillon, la bataille. Ah oui, là, ouais, là tu passes bien de mon côté. Hein. Ah là oui, bouge plus, serre le frein à main, reste là où tu es, hachis trois coups. Ouais, mais là je vais au boulot, Rémi, je vais au boulot. Voilà, là je suis sur la bosse entre l'Istrac et Castelnau, là 63 mètres à SL, et je t'entends vraiment très confortablement. Voilà, mais je vais repasser ça sur Angèle, là, lui faire un petit report quand je suis sur les hauts.
déjà un petit peu de monde là qui est déjà là. Oui, enregistrez le. J'ai entendu quelqu'un là dans l'oreillette. Hein. Enregistrez le break derrière, les 73-51, Eric. Oui, 73 tout le monde. Je ne sais pas qui est là. Je t'entends dire Rémi, 73. Et puis tu vas me dire ça. Je salue tout le monde. Ah, il y a un petit peu de surmodulation là ce soir. Là, il y a Florian qui est du côté de Langon. Il y a Angèle, ton voisin. C'est Marc, je crois, dans le Médoc. Plus une ou deux autres stations là que j'entends, mais c'est beaucoup trop QRP là de mon côté. Je sais qu'ils sont là parce que ça fait un petit peu comme un chouïa de surmodulation dans le lointain, quoi. À moins que ça soit un peu de propague, on ne sait jamais. Oui, il y a Yannick aussi, 14, Yankee Delta 33 à Eline. Et voilà, Yannick aussi. Ça va bien, Eric, merci. Ça fait plaisir de t'entendre. Hein. Ah, je suis toujours là, toujours à l'écoute de Rémi et de ses vidéos sur YouTube, et puis on attend toujours que tu reviennes sur le 446. Ah ben je viens de temps en temps, mais je n'entends pas dans le monde. Oui, cette semaine c'est calme, effectivement. Les loins sont occupés au niveau du pro. Et toi, on attend des nouvelles de ton tonton. Voilà, tonton pour le DMR. Voilà. C'est pas plus long. 73 Rémi, là, j'ai regardé tes vidéos. Très sympa, top. Ok, merci. Les 73 retournés, donc tu as regardé celle d'hier soir. C'est comme sur les grandes chaînes télé, hein. T'as du replay. Voilà, j'ai passé l'heure de l'apéritif à regarder le vaisseau d'hier soir pendant une heure. C'est super sympa. Ok, t'as dû rigoler là sur le passage, là on a parlé d'informatique, là, avec ce que j'ai mis en transparence là, sur la vidéo. Oui, j'ai vu des choses, ouais. Mais bon, moi ce qui m'intéressait, c'était surtout les paroles. Et puis essayer de reconnaître un petit peu les OM là sur la fréquence. Et puis surtout noter, voilà, j'avais pas noté qu'il y avait des QSO les vendredis soir, samedi soir et dimanche matin. Bon, apparemment demain matin tu ne seras pas là, à réveil à 4h, mais bon, c'est sympa de pouvoir utiliser le 27 et communiquer avec toi. Oui, tout à fait. Parce que ce soir, bon, je pourrais pas rester aussi longtemps que hier soir. Parce que bon, c'est vrai que demain matin, debout 4 heures, ça va piquer, là. Chie. Mais bon, je suis là et je suis bien content d'être là. Ok. Ok, mais c'est noté. En tout cas, les dates sont notées. Moi, c'est pareil, je suis pas tout le temps actif. Hein. Eric le sait. Être là tout le temps, en tout cas c'est sympa de jouer des rendez-vous et ces rendez-vous là sur cette fréquence ont l'air de bien marcher. Allez, je monopolise pas trop le micro, je retourne monsieur Eric et de Villeneuve et ensuite je te laisse tourner le micro. Ok Yannick, de toute façon je te contacterai aussi tant pour t'expliquer si j'ai des petits soucis avec le petit appareil, mais je t'expliquerai en détail. Voilà. Je crois qu'il y a Angèle aussi derrière, vas-y Angèle. Ben non, j'ai allumé la station assez tard. Là, j'étais occupé là sur autre chose. J'étais pris là sur des fichiers que je voulais envoyer à Claudie. Et bon, ben c'est fait. Du coup, la station était éteinte. Et c'est vrai, en milieu d'après-midi, par là, quand j'ai allumé, ça passait de tous les côtés. Hein.
Tiens, il y a une news là qui vient de tomber là sur, sur le groupe Facebook pour les ON qui sont dans le département 90. Alors demain, il y a une bourse radio-électro à Sévenan, voilà, dans le département 90. Donc là, c'est tombé là sur le groupe là, du forum là, sur Facebook, là il y a quelques minutes. Alors, pour ceux que ça intéresse, demain à Sévenan, département 90, bourse radio. Mais merci pour l'info, oui. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière, oui, en avant. C'est moi, ça. Ça fait un peu loin derrière, ça fait un peu loin pour y aller, là, ça fait bien. Ah, chi. Voilà, on s'est pour saluer. Bon, Yannick, j'espère qu'on comptera sur toi, peut-être pour Radio Broc, au 18 mars, là, la bourse, enfin, la brocante radio amateur, qui a ses stages bien dînés. Cette cacophonie. Ah oui, Yannick qui reprend. Apparemment, oui, il y a beaucoup de monde. Hein. J'ai entendu la station de Castelnau. Je vais rajouter le micro après. Oui, Eric, j'ai entendu parler du rendez-vous dans Radio Broc sur Castelnau. J'étais comme ça à l'écoute, j'ai pas noté la date. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en tout cas, je salue Angèle. 14-20, bravo. Puisque c'est la première station que j'ai eue sur le 27. Quand je me suis rééquipé en 27, il y a 2-3 mois. Voilà. Et Eric, tu m'en diras plus sur le Radio Broc, hein, plus tard, sur notre fréquence. Et je relâche le micro là, dans le fond, il y a une station du côté de Castelnau. Ouais, non, mais je me suis déjà signalé. Non, complément, c'est 1422, c'est 1430, Radio 33, mobile là, là. Mobile, Dakota 33, mobile. Voilà, ok, ça m'intéresse, Castelnau aussi, c'est pas trop loin du cœur. Et à Radio 3, ben, je passerai si le boulot me le permet. Voilà, donc je reprenais ça, Eric, alors qu'il y a des infos. Le 9 mars. Salut Marc, 73, j'espère que tu vas bien. Et puis pour info, Radio Broc, c'est à Sestas Gavinet. Et c'est le 9 mars, si ma mémoire est bonne. Oui, affirmatif, 9 mars. Ouais, ok, ça c'est le Radio Broc habituel, mais il aurait pu y avoir une brocante sur 4 ans. Une nouvelle station qui vient d'arriver, 73 Stéphane. Ouais, c'est en vrai à tout le monde, excusez-moi, je suis peut-être décalé, le poste est peut-être un peu froid. 14 Fox 3 unité uniforme à 18, Stéphane sur le stress, 73 à tout le monde. Les 73 Stéphane de Dundee 33. Ok Dundee, amitié, Angèle, amitié, Eric, pas de problème, mais je sais pas, il y a une autre station derrière. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée, je sais pas qui c'est qui est dans le QSO, à part vous quatre, je sais pas, j'ai laissé un petit blanc, je renvoie le micro à Dundee, retour. Ah, ouais, il y a quelqu'un qui a repris le micro, ouais, non, on est plus que ça. Il y a quelqu'un qui a repris le micro, là, derrière, à toi la station. Il est trop QRP de mon côté, hein. Il y a Yannick qui est sur Régine et puis il y a Dakota, Marc qui est sur côté de Castelnau. Voilà, pour info, il y a Stéphane, pardon. Et il y a Florian aussi qui est sur Langon. Ah Florian, je ne pas entendu, c'est 73 Florian. Ah, il n'y a pas de 73 aussi également là. Allez, c'est. Ouais, mais je sais pas, j'entends l'opérateur Florian qui est au fond là, mais j'arrive pas à le sortir. J'ai laissé un petit blanc, j'ai mis Florian, ici 14, Foxtrot, uniforme 18, Stéphane, opérateur Stéphane sur les hauteurs de. Sur Fresse, hein, mais Florian, je l'entends pas. Je renvoie le micro à Florian, le retour. Ouais, c'est pas mal, il y a pas de 73 à côté, Stéphane, je t'entends pas du tout, il y a que le. Bah, TV Watt. Il est sur l'angle, c'est ça? C'est pas grave, je l'entends parler au fond, mais j'arrive pas à comprendre. Ouais, vas-y, Yannick. Ouais, ok, 73 à Stéphane déjà. Et Florian, on n'entend pas non plus. Là, il faut dire que
avec le WebSVR de Forac, parce que je suis mal situé, et même là-dessus, je n'entends pas. Ouais, j'entends parler, je sais pas, j'espère que je suis en module pas. J'entends parler au fond, mais c'est pas évident. Voilà, Dundee, retour micro, si t'entends l'opérateur Florian qui est au fond, mais moi de mon côté, je crois qu'Eric et Yannick, on n'arrive pas à le sortir. Voilà, Dundee, retour. Ok, bon, c'est assez QRP de mon côté, hein, mais je l'entends quand même. Hein. D'ailleurs, là, j'ai une petite vidéo là qui tourne, tu pourras l'écouter là-dedans. Hein. Retour Florian. Vas-y, Florian, à toi. Ouais, je n'entends que sur le web MDR. Hein. Il y a que Rémi que j'entends, tu l'as ressenti ton. Voilà, ben, bonne chance à tous, vous m'entendez. Ouais, vas-y, Florian, on t'entend, mais très très QRP. Hein. C'est l'opérateur Stéphane qui reprend. On t'entend, mais vraiment, comme on dit, au fond de la boîte. On est en train de tendre l'oreille. Florian, retourne au micro pour Daniel Passal. Et après, on fera tourner. Florian, retour. Pas du tout, Stéphane, c'est que sur le WebSVR, alors heureusement qu'il y a ça. Ah, j'arrive pas à décoder, moi. Vas-y, Eric, reprends, moi, je l'entends parler, mais j'arrive pas à décoder ce qu'il dit. Voilà, Eric, retour. Attends, excuse-moi, il y a Marc aussi, là, qui est sur la route du pro, là-bas, dans le Médoc. Ouais, merci, Rémi, il n'y a pas de problème. Florian, je l'entends, mais je le décode pas non plus. Stéphane, par contre, il y a une bonne antenne, hein, ça va. Ça arrive plein de pros, comme Eric, Yannick, tout ça, là, ça arrive très fort. Bien dégagé, je pense que l'antenne, certainement. Voilà, je suis en mobile, moi j'arrive sur Salon, la petite commune de Salon, qui est à dizaines de kilomètres au nord de Saint-Médard-en-Jalles, là où je vais aller bosser ce soir, comme souvent ce soir. Voilà les copains, je vais retourner sans direction de Yannick, la chance que c'est le gamin que je n'ai pas entendu parler. Yannick, si tu veux reprendre pour le groupe, Dakota, c'est passé, c'est important que QSL. Hein. Bon, je m'aide un petit peu avec le WebSVR, parce que, comme certains le savent, je suis mal placé en bas d'une côte et surtout dégagé côté nord. Donc, si vous m'appelez comme Eric, du côté de Villeneuve ou du sud des Innes, ça passe très mal. Donc, j'ai un petit cadre à le WebSVR. Donc, 73 à toi, bon courage pour le pro. Et puis, merci encore à Rémi. Hein. La chaîne Dundee, le replay de la TV, c'est super sympa. On peut suivre les cuissons en retard. Voilà, je sais qu'il est en train de nous filmer, c'est ce qu'il a dit. Donc on verra ça demain. Voilà, retour à toi Eric. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est bien pratique, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, voilà. Bon, mais je vais te retourner le micro, Rémi. Est-ce que tu as des news depuis hier? Oui, une autre de Daniel Centaure. Alors toi, Eric, hier, tu nous donnais des news de Daniel, comme quoi tu l'as vu en fréquence et tout. Eh ben Daniel, il était sur le WebSDR hier soir et il nous envoie à tous, il m'a envoyé un SMS que j'ai eu qu'aujourd'hui, puisque là, pendant le QSO, à chaque fois, j'éteins le 600. Et donc, il nous envoie à tous les bonnes 113-51. Et peut-être qu'il est à nouveau là derrière sur le WebSDR, c'est bien possible. Ok, on le salue s'il est à l'écoute derrière. Voilà. Allez Stéphane. Il y a un plus à rajouter. Hein. J'entends tout le monde. Marc, je l'ai copié hier, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, j'ai marqué son prénom sur la feuille là. Opérateur Marc, on a fait un petit contact hier. Si je ne dis pas de bêtises, vu que j'ai pas beaucoup dormi par rapport au pro, moi aussi, je travaille la nuit. Il n'y a pas de souci, non. Que du vieux raconté. Des choses anciennes. J'ai eu aussi, moi j'ai regardé la vidéo de Dundee ce matin en rentrant du boulot, et pour regarder le QSO qu'il y avait eu hier soir. Voilà, rien de plus à rajouter. Je renvoie le micro à Dundee et je vais rester à l'écoute. Voilà, Dundee, retour. Ok, eh ben, puisqu'on parle de QSO d'hier soir, est-ce que toi tu t'y connais en informatique radio? Non, pas du tout, hein. Autant que toi. Je sais que tu es sur, je crois que tu travailles avec Linux, tu as du Windows, que tu as eu des problèmes avec un PC, je t'ai écouté. J'ai connu des OM qui travaillaient en Linux aussi, avec qui je trafiquais en radio il y a quelques années en arrière, avant que je tire, avant
je reviens sur la radio. Mais alors, je pourrais pas télé, je vais dire des bêtises. Il y a des personnes plus compétentes que moi. Voilà, lundi retour. Alors, disons que c'était pour donner une suite au QSO d'hier soir. Puisque, comme tu as pu l'entendre dans le QSO, dans la vidéo, oui, sur le forum, j'ai discuté là dernièrement avec un OM qui, lui, est très calé en informatique et intéressé justement par l'informatique radio. Et c'était pour voir si éventuellement tu pouvais apporter un peu plus d'eau au moulin, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je pourrais pas t'épanner. Je ne vais pas dépanner, je te rapporterai plus de bêtises qu'autre chose. Donc, moi, on m'a toujours dit, quand on ne connaît pas, on parle poliment, on ferme sa bouche ou on ferme sa gueule, voilà. Non, quand je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà, retour micro, Eric. Ok, je vais faire tourner, il y a Florian qui est derrière aussi. Vas-y, Florian. Voilà, Florian. Je crois que Florian, il est parti, donc on va faire tourner au plus loin. Vas-y Marc. Ouais, merci les copains. Ok, je vais juste poser une question à Rémi, là, qu'est-ce qu'il a comme antenne pour passer aussi bien depuis Libourne là-bas, etc. Là, parce que ça passe vraiment bien là, dans le mobile. Hein. Rémi, là, si tu m'entends, qu'est-ce que tu utilises comme antenne, break? Ok, alors il y a une petite astuce, l'antenne il faut la tourner vers le bas et bien la planter dans le sol. Voilà l'astuce, Hachi, non, c'est une Sigma Mantova 8 qui est perchée juste à 9 mètres du sol, donc pas très haute. Par contre je suis avantagé au niveau du sous-sol. Voilà, j'ai un terrain argileux avec des sources et tout qui passent en dessous et tout ça, donc c'est pour ça que j'arrive, malgré que je sois dans un trou là, pourtant là où je suis, côté DX, tout ça, j'arrive à entendre des trucs que d'autres n'arrivent pas forcément à entendre. Les sources, c'est pas du pinard. Si. Ah, c'est pour ça. Ok, un grand merci à toi pour le QSO, bon pro pour cette nuit et à la prochaine. Retour de micro sur Angèle. Angèle. Bon, vas-y Eric. Oui, 73 Marc, merci du petit contact. Et puis bon courage pour le pro. Allez, retour sur Yannick. Et merci. Ok, pareil pour moi, bon courage pour le pro. Et à très bientôt sur les ondes. Merci Eric pour le retour micro. Et pour Rémi, oui, concernant l'aide informatique, de mon côté, je ne pourrais dire que je peux apporter mon aide que sur la programmation du DMR. Voilà. Après tout le autre système, c'est pas trop mon truc. Voilà. Par contre, pour les stations qui s'équipent en 446, DMR ou DMR, n'hésitez pas. Eric le sait. Je vous aiderai avec grand plaisir, comme j'ai pu le faire avec d'autres personnes, puisqu'il y a encore 3 mois, j'étais tout seul. Depuis 2 ans, équipé en DMR tout seul, et puis là, on a à peu près 8, 9, 10 stations équipées en DMR. Donc, c'est pas que je crache sur le 27, bien au contraire, puisque j'y suis revenu, bien après le PMR. Mais quand il y a personne sur le 27, ben, c'est bien sympa de pouvoir communiquer aussi sur une autre fréquence. Donc, pour ceux qui peuvent s'équiper avec d'autres postes, voilà, je peux les aider, il n'y a aucun souci, donc je donnerai mes coordonnées, ou via Eric qui les connaît. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je retourne sur Eric. Ok Yannick, il n'y a pas de souci, ouais, c'est bien sympathique, il n'y a aucun problème, ouais. Oui. Donc, je te dis, dès que tu auras un petit moment, je te dis, bon, je connais pas tes horaires, donc dès que tu as un petit moment, dès que tu me donnes un petit coup de 600, comme je te dis, je t'expliquerai pas mal de petites choses, mais bon, là, je ne veux pas monopoliser la fréquence avec ça. Par rapport
rapport à mon petit appareil que j'ai renvoyé, voilà. Ben, on va faire tourner, je sais pas, vas-y Stéphane, ou s'il y a d'autres personnes qui sont derrière la... derrière et qui veulent rentrer, allez-y, je laisse là. Oui, le bip, en avant. La station avec un bip, là, en avant, bonsoir. Oui, en avant le bip. Allez-y, la station, on a vous le micro. Oula, là, ça accroche, là, il y a un problème. Ouais, j'ai réussi à entendre les 73, bip bip, le coyote. Ah, je sais pas, il y a une station derrière qui essaie de parler, mais il y a un problème du micro. On va laisser un gros blanc pour vous laisser entrer dans le QSO. On va voir la station. Bon, bah, je sais pas. Il y a une station avec un bip, là. Bonsoir à vous, les amitiés. On vous écoute avec grand plaisir. On va. Ouais, 73 à tous, opérateur Doudou, bonjour. Ah Doudou, pas de problème Doudou, et bon chiffre à toi. Je t'envoie le micro Doudou, Stéphane Surpresse en compagnie d'Éric, Denis, il y a les Angèles derrière, il y a l'opérateur Florian du côté de Longon. Voilà Doudou, retour. Et Yannick. Ah Yannick, faut pas oublier Yannick, excusez-moi Yannick. Il y a Doudou, retour. Ok, 73 à tous, y'a pas de soucis là, je t'entends bien, ouais, j'ai pas encore une boîte d'écho là, mais bon, je pense qu'elle a un petit souci technique là, la chambre d'écho là, je verrai ça demain, en retour. Vas-y Eric, au revoir. Ok Doudou, mais 73, une bonne amitié à toi, et puis j'espère que tu vas bien depuis hier, et que tu as pu te reposer un petit peu, voilà. Allez, je vais faire tourner à Yannick et puis fera tourner. Ok, merci Eric. La 73 à Doudou, je crois que c'est la première fois qu'on se parle, Hachi, mais par contre, j'ai entendu parler de toi sur la vidéo de Rémi, voilà, le CSO hier soir qu'il a mis en ligne sur YouTube, que j'ai regardé ce soir à 19h, donc Doudou, voilà, je connais le surnom, voilà, donc 73 à toi. Ouais, Doudou, t'entends pas l'opérateur Yannick, retour Doudou. Non, je ne l'entends pas, attends, je vais sur le WebSDR là pour voir si j'arrive à sortir. Ah ok, bon bah ouais, va sur le WebSDR, c'est pas important. Des fois c'est des conditions, c'est pas évident. Je sais pas si t'as. Non, je pense que t'es en fixe, Zouzou, si je me trompe pas. Bon, on y croit, Zundi, retourne au micro. Ok, merci pour le retour. Doudou, les bonnes 13-51 à toi. Alors comment vas-tu depuis hier soir? Bon, ça va, de mon côté, le QRM a baissé, donc là, c'est bon, j'arrive à te sortir correctement. Hein. Et tu dois avoir du QRM, alors, de ton côté, non? T'as des QRM, ah ben. Ou Doudou, chez toi? Je vais parler trop vite. Ah ben, ça a remonté. Je crois le QRM, ah, ok. Bon, Angèle, t'es revenu? Pourtant Angèle n'est pas là chez moi, je n'entends plus, je sais pas ce qu'il a fait Angèle. Angèle, est-ce que t'es là? Non, je sais pas, je n'entends plus, il est peut-être parti, il est parti s'occuper ailleurs, d'autres occupations. Bon, on va laisser un petit blanc, est-ce qu'il y a d'autres stations derrière qui veulent rentrer? Bonjour. Bonjour. Je sais pas, il y a des QRM, hein, il y a des QRM. Ouais, bon, Doudou, je sais pas ce qu'il a fait. Doudou, t'as baissé la boîte à cassoulet, enfin, je sais pas ce que t'as fait, Doudou, t'as baissé la puissance, non, Doudou, t'es là? Ah ouais. Oh là, il y a un problème. Bah, t'as un problème, parce que tout à l'heure, tu vas arriver entre 3 et 5, et là, il n'y a plus de signal, hein. Je sais pas ce que t'as fait, Doudou, il y a une baisse de puissance, hein. Ah bah, là, t'es revenu. Ouais, là, t'es revenu, là. Peut-être un de mes câbles qui crame, mais j'ai toujours mon petit câble de mon côté là. Je sais pas, j'ai envoyé Eric qui m'a tourné. Moi c'est pareil, j'ai ressenti la baisse et c'est baissé, c'est remonté, c'est baissé, c'est remonté. Bon voilà, c'est ce que j'ai ressenti moi. Eric, t'en tournes? Oui, mais je vais retourner sur Rémi, le capitaine du PSO, vas-y.
Oh, aïe, aïe, aïe. Non, non, il n'y a pas de capitaine du tout. Hein. Ben, toi, tout à l'heure, je disais que j'avais une baisse de QRM. Attends, j'ai parlé trop vite. Là, il est remonté un petit peu. Bon, c'est pas bien méchant. J'ai un QRM de 2, de ça. Bon, ça monte, ça descend, ça se promène, ça se balade. C'est pas un peu étonnant, hein. Bon, ça fait des ouvertures de propagation, mais des fois le sport c'est pas terrible. Voilà, il y a Yannick aussi, faut pas oublier Yannick derrière la porte. Yannick, je pense que tu es toujours là, non? Oui, je m'attends, merci pour le retour micro. Oui, oui, mais comme disait Rémi, le temps joue aussi, hein. Les antennes prennent l'appui, les câbles aussi, ça peut varier. Effectivement, aujourd'hui on s'est bien régalé. Moi j'étais dégagé du côté de l'Allemagne, ensuite j'ai passé sur le nord-est de France, bon, c'est la même trajectoire. Ensuite sur le nord, Angleterre, Pays de Galles, Irlande, heureusement, on avait ça pour s'amuser, mais je suis comme Rémi, je pense, je suis dans un trou, donc je vous parle avec l'aide du Web Desert. C'est pour ça que parfois je peux parler un petit peu saccadé, parce que j'ai le retour de ma voix dans le casque, sur mes oreilles. C'est pas évident, il y a toujours une demi-seconde de retour et je peux pas. Parfois, comme là, parler comme un robot. Mais en tout cas, ça m'aide à entendre les stations lointaines. Voilà, retour à toi Eric. Oui, oui, mais comme tu dis, oui, aujourd'hui il y a eu beaucoup de propagande, moi je me suis régalé. Et c'est le plus loin, le contact le plus long que j'ai fait, c'est la Réunion. J'ai eu la Réunion, Jean. Et puis un mobile qui était sur la du côté, un mobile sur la côté de la frontière du Luxembourg. Un mobile, il passait très très bien. Donc, j'ai des deux contacts, puis plus d'autres petits contacts au niveau du nord, un petit peu tout à l'heure. Mais c'était vraiment sympa. La Réunion, ça n'a pas duré longtemps, mais le contact a été fait, quoi. Ça fait pas mal déjà. Surtout avec le peu de propagande qu'on a en ce moment. Voilà. Allez, retour Thierry, tu veux prendre le micro? Ah Thierry, t'es là? Oui, oui, non mais je vous écoute. C'est très intéressant. Je m'instruis. Eh ben tant mieux, c'était pour ça. J'attends 10 heures pour me barrer ailleurs, mais bon, en attendant, je vais rester là. Allez, vas-y, Rémi. Ok, ben justement, je suis en train de regarder l'heure. Je vais pas me faire plus long, car demain matin, ben oui, 4 heures debout. Donc j'ai envoyé les 2351 à l'ensemble du groupe. Et bonne continuité de QSO et à la prochaine en fréquence. Mais bon courage, puis pour le demain, à bientôt Rémi. À bientôt Rémi, bonne nuit, à la prochaine, ciao ciao. Merci, ciao ciao. Bonne soirée, le capitaine du groupe, le chef. Il n'y a pas de chef. Oui, derrière, les 213 également. Il n'y a pas de chef ici. Bye bye, merci, bonne soirée. Bon QSO. Faut toujours un chef. Parce que s'il n'y a pas de chef, c'est inutile de répondre à ma dernière question. Demander quel était ton tireur. Je l'ai reconnu. Voilà, un petit réseau. En tout cas, bon courage pour le front demain. Et puis à très bientôt. Et encore merci pour tes vidéos. Ok, merci. Oui, c'est le Yasu FT450AT. Donc, c'est la version ancienne de celui d'Eric. Merci, bye bye, bon QSO. Allez, vas-y, Doudou. Oui, bah oui, il n'y a pas de souci. Hein. Tranquille à la maison, là, avec un petit peu de pluie, là, au tueur. Hein. Mais bon, on verra demain, il annonce du beau temps, donc je sais pas. Ouais, Doudou, c'est Stéphane. C'est 14 effus, 18 qui reprend Stéphane sur presse. C'est avec, si je me trompe pas, parce que vu que la dernière fois, tu avais fait des essais et je sais que tu avais des problèmes. Moi, j'en ai eu aussi quand j'ai repris la radio. Je pense que c'est avec le 360 FM, je me trompe pas. Ouais, ça m'a dit, hein, c'est le 360 FM avec la Mantova à 108. Ah non, mais ça passe, hein, y a pas de problème. Et j'arrive pas à comprendre, comme tout le monde. Hein. Quand on fait de la radio, on a toujours des soucis de modulation, d'accrochage. Je sais ce que c'est, Thierry et Eric m'ont pas mal dépanné. On a fait des essais aussi. Comment t'arrives pas à mettre les Nicole avec l'Alpha Lima, mais je sais pas. On va finir par trouver le problème. Avec une bonne antenne comme ça, le Mantova, ça marche bien. Avec un Lincoln, si c'est un 231 ou un 135,
ça passe bien. Et quand tu mets le Lincoln, t'as toujours des soucis. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu vas finir par trouver, à moins que tu changes. Ah oui, c'est vrai que tu attends autre chose. Tu attends, si je ne me trompe pas, un poste beaucoup plus gros. Voilà.